Bon, petite raclette du soir, j'ai rien respecté, hein. J'ai fait ça. Diarrhée imminente, comme hier où j'ai dû quitter la table en urgence pour aller déféquer. La raclette, c'est la vie. Un phare. Je suis épuisé les puces. Bref, je suis heureux. Je dors. Wouhou! Wouhou! J'ai l'impression d'être en soirée, sauf qu'il y a personne qui me casse les couilles. Bref, c'est la folie quoi. On s'entend parler, enfin... Ouais, les boîtes de nuit... Mais attendez, il a neigé, ça commence à tenir. Ah bah moi, quand il y a de la neige, je suis excité comme un gosse. Ah mais oui, oh, il est dehors aujourd'hui. Et en fait, il y a grave neigé, mais vraiment. Gosh. C'est beau. Trop trop beau. J'adore. Ovale, le plateau avec le bord or. Alors, je sais pas du tout, je vais finir par faire des plateaux en version mesure si ça continue. Voilà les puces. Eh bien, pour l'instant, le bananier les puces est resté avec la petite table. Ouais, je pense. Question, pourquoi ne pas le mettre devant la fenêtre? Bah, con. En plus d'avoir une terrasse, c'est vrai, j'ai un balcon. Avec une table, une chaise et tout, c'est sympa. Mais on va pas mettre un arbre devant une fenêtre. Alors, la télé fait petite sur le grand mur blanc. Mais en fait, c'est que je peux pas la mettre plus grande. Parce que regardez, ça sortirait des moulures. J'aurais bien aimé hein, qu'elle prenne plus d'espace, mais de ce qui est là. Donc voilà, coin les puces. Alors c'est vide à gauche de la télé. Ben en fait je peux pas. Ici il y a une porte. Je crois que je vous ai jamais montré. C'est un peu le KGB. Oh là là, j'ai complètement oublié. J'avais lavé des plaids. D'ailleurs, j'ai eu de la soupline. Ça sent mais tellement bon. C'est un vrai paradis les pupus. Oui, bah, c'est bien ce qui me fait peur avec cette table. Effectivement, au moindre appui, la table en verre bascule. Pollux pose son sac à main dessus, quoi. Mais de toute façon, ça sera comme le canapé, hein, sur lequel il est interdit de s'asseoir. Vous voulez que je vous dise? Non, mais tranquille, quoi. On peut poser des tables basses. Je sais, vous allez me répondre, moi. Vous le faites tous, c'est sûr. Ah, d'accord, ma belle. Mais du coup, je fais quoi, alors? Colonne, vous savez que j'y ai pensé. De laisser juste la colonne en mode sans la vitre en verre. En mode, pour le coup, stable, quoi. Mais ça ferait bizarre, non, en plein milieu du salon, d'avoir une colonne sans plateau en verre. Bah, je sais, les petites ventouses, je voulais en acheter pour en mettre, mais le problème, c'est qu'on va les voir et que ça... Ce qui me fait peur, quoi, quand même. Alors, là, j'avoue que... J'ai pas les mots. Je comprends pas. Mais en tout cas, force de me dire que mon plateau va basculer, les puces... Donc, bah, j'espère que ça ne marchera jamais. Parce que mon parquet en dessous, si mère Albert. Bon, hein. Je vais réfléchir. Je pense qu'un jour, je vais mettre la colonne. Bah du coup, non, je m'en suis pas vraiment rendu compte. Vu que toute la journée, je suis resté par la fenêtre. Mais c'est vrai qu'après, j'ai plus calculé. Et j'ai pas vu à quel point, effectivement, bah c'est un truc de dingue. Mais beaucoup. Je viens de voir sur mon balcon, là. C'est ouf. Oh, il y a neigé partout. Ah, oh, mais c'est trop beau. Oh, c'est magnifique. Ah, oh, mais j'adore. Avec les toits de Paris recouverts de neige. Mais... Bien, figurez-vous que c'est un peu le cas en ce moment. Je ne sors plus trop de chez moi. Vraiment. Surtout en hiver où t'es bien cocooning et tout. Non, mais c'est clair. Hein. C'est clair, je vous cache pas que là, je suis très casanier. Hein. Ah non, mais c'est... On se sent... Alors, c'est vrai, les puces, que j'ai bien envie de mettre un tapis, là, je vous cache pas. De cacher ce parquet que j'aime. Mais tellement, je vous le dis, hein, je crains un peu que le tapis recouvre le parquet et surtout... Ça me fait peur pour l'entretien. Je trouve que c'est sale aussi, c'est plein d'acariens. Pour faire le ménage, c'est une vraie galère. Je sais pas trop quoi vous dire. Je sais pas si je vais en mettre. Ça aussi, c'est en grande période de réflexion. Je ne sais point.
Eh bien, la Sabine, là, hein, elle a rien compris. Le narcissisme, tout ce que je veux, hein, c'est déjà une première chose. Et surtout, si moi je suis narcissique, suivre ou me connaître, parce que je suis bien quelqu'un qui s'en fout complètement de son apparence, en déplaise, enfin, en témoigne surtout ma tête, là, actuelle, et n'en déplaise à moi-même, hein, d'ailleurs. Mais voilà, donc, Sabine. Ah bah la famille Tuche ne viendra pas dans mon appartement, hein. Ah non mais clairement, un bien toute seule. Mais clairement, il n'y aura jamais. J'étais locataire, donc on va dire que je faisais un tout petit peu moins gaffe, même si j'ai toujours soigne et que j'essaye vraiment de d'avoir bien propre, bien pur, bien comment dire, bien épuré. Non, qui mange en s'en foutant plein les doigts. Non, ça n'existe pas. Aucun enfant n'a le droit de foutre les pieds chez moi. Bon allez, la suite, eh bien prochainement, je vais aller prendre un peu de réflexion. Gros bisous les puces, et je vous dis à demain pour l'arrivée explosive de Théo Lavé. Nuit ici, je sais pas trop ce qu'on va faire, on va un peu improviser. On doit se faire des shootings photos, des vidéos, des... Enfin bref, plein de... Et c'est reparti pour les coiffures. Ça va ici? Ah ouais. Les sapins, j'espère qu'ils vont pas nous tomber sur la... Et me voici, propre comme un nouveau sou. Je suis mais frigorifié, j'ai le visage. Oh mon dieu, je ne sors à la fin du mois. Wow. Mais je crois que ma peau vraiment elle est pas faite pour le froid. Hein. Elle subit toutes les agressions extérieures. Non mais écoutez, là je suis dans mon ascenseur cercueil, au chaud, je vous cache pas que je me sens très très bien. Ah bah là, même s'il est minuscule cet ascenseur, franchement, il fait tellement froid les puces. C'est... Vous aussi chez vous, il caille comme ça? Mais c'est un temps de ski. Ce soir, j'ai deux invités qui débarquent à la maison. Le premier, c'est Théo Lavabo. Vous allez voir, ça va être hyper intéressant de vous expliquer un petit peu son métier. Moi, c'était la première fois que je faisais. Vraiment, j'adore parce que pour le coup, j'ai un immense plan de travail dans cet appart. Et alors, jette et de fenouil, un rôti. Et il faut que je fasse des féculents avec ce gratin. Donc voilà. Et oui les puces, je suis devenue une vraie mère au foyer. Hein. Voilà, il manque juste les enfants. Je veux surtout pas de cette vie, surtout. Et oui, on part sur quelque chose de health. Non, c'est trop bon, c'est beaucoup plus fondant qu'à la poêle. Oh non, pitié, non, pas lui. Allez. Oh non, j'ouvre pas. Oh mon dieu, il est de retour le Chipolata. Attention. Oh là là, oh les escaliers avec les... Oh là là, mes escaliers en bois massif. Oh là là. Oh, les mains sur les murs. Non, mais j'en toujours plus, on dirait qu'il te ramène un cadavre. Regarde juste derrière toi en haut ce qu'il y a. C'est quoi ça? Oui. Regarde. On met ses pieds, s'il vous plaît, jeune homme, avant d'évoluer dans cet appartement. À l'intérieur. Ah bah oui, mince. Et enfin, deuxième chaussure. Voilà, c'est un peu de la merde ce truc. Hein. Ça marche pas trop. Bah oui, c'est... Voilà, je pense que je vais le renvoyer, c'était sympa quand même. Bienvenue dans la chambre d'amis, accessoirement mon bureau. Non mais je reste une housse, c'est normal. Oh là là, les valises qui traînent par terre. Tu sais que mes roues, elles vont rouler dans la rue? Oui, bah il y a plus un parquet en bois massif. Est-ce que tu as vu quand même les efforts que je fais? Regarde la cuisine. Regarde, une galette des rois maison que j'ai... Bon, j'ai un peu foiré, hein, mais bon. T'es pas cuite, tu vois? Non, je rigole, c'est du Picard. Bah t'es pas très loin parce que la chambre d'amis est là, la chambre est là-bas. Ben oui, si. Qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Putain, il me fout des boulettes. Deux secondes sur cette rambarde. Je l'ai caché. Le torchon est ici, si tu veux t'essuyer les mains. Alors forcément, il y a 50 placards, la seule tasse qu'il prend pour boire la un verre. Ah bah ça, hein, c'est sûr que mon frigo, il impressionne on tout le monde. On l'a découvert ensemble quand on était allés. Mais c'est pas comme ça, c'est en tapant avec le... Voilà. Voilà. C'est stylé, hein. J'adore. C'est quand même le premier mec que je connais qui boit de l'eau dans une tasse. Hein. Parce que moi, j'ai pas une tasse. Très bordélique. J'ai dit comme toi que je pense que je suis organisé cette fois-ci. Oh tac. Qui est ton bordel? Génie artiste. Non, l'artiste. Parce que je parle de l'artiste. Non, mais c'est hilarant. Très grande vie de connasse, là, hein, avec les lustres au-dessus. Très important, consigne à respecter avant de s'asseoir sur le canapé. Tu as le pantalon non, pour mais... mon canapé, c'est non. Bah, c'est pareil en U. Grand chip. Ah, là, on est sûr qu'au moins, cette chienne en chaleur. Non, mais je rêve, il est en train... Non, mais il est en train de fouiller dans mes poubelles. Tu ne trouveras pas. Bah oui, c'est vrai. Mais oui, c'est moi qui l'ai.
Bah, ça commence bien, je fais un gratin de courgette fenouil, il n'aime pas le fenouil. C'est bien lui qui a fait Ça se voit, elle est hyper imparfaite, je l'ai d'ailleurs un peu foiré. J'ai mis une fève dedans. Il me croit pas. Mais tu vois bien que... Allez, je l'ai étalé avec un rouleau. Ouais. Bah tu verras. Bah, je vais. C'est moi qui l'ai faite. T'as pas t'enlever en story et tout. Alors non, parce que justement, je l'ai pas filmé. Ah, comme par hasard. Non, j'étais occupé en fait. Voilà. Et oui, donc c'est bien moi qui ai fait cette galette. Je suis obligé de... Regarde, voilà, t'as la preuve que la farine a été utilisée. J'ai remis d'ailleurs mon tablier parce que j'ai cuisiné comme ça tout à l'heure, tu vois. Tu m'étonnes. C'est que des ombres. Parce qu'il me croit pas, les puces. Dites-lui que c'est vrai. Le paquet de farine. Qu'est-ce qu'il fait? Il fouille quoi là-dedans? Non, je regarde juste. Effectivement, il y a des... Pour faire gonfler. Bah d'ailleurs, il me croit pas, regardez. Elle est là. Mal, car il y en avait un ancien petit paquet de 6. Cuisson. Bon, écoute, tu verras, c'est moi qui l'ai faite. Mais c'est dingue, ça, te remettre en jeu. J'ai rien mangé, tu veux jamais aider. Mais c'est vrai. Tu me sens bien, j'ai un plan de travail immense. Moi, je me sens vraiment. Qui est ficelé le rôti, mais j'ai coupé mes petits. Vraiment. J'avais juste un doute. Ça y est, ouais. Ça recommence. Du coup, ça avait tout un doute. Non, parce que j'ai pris, regarde, oh, comme c'est magique. Un plat rond comme ça. Et ça m'a fait un emporte-pièce. Mais bah, avec ça, ça marche pas. Voilà. Mais bien sûr que. C'est bon! On va vérifier la taille du rond. Non, c'est bon! Pas lui, c'est le violet. C'est le violet? Celui-là? Oui, c'est celui-là. C'est normal parce que ça gonfle après. Je sais pas, parce qu'elle est pas encore cuite. Ah, j'ai mis encore un. Quand est-ce que t'as déjà été dans une boulangerie où on a acheté une galette en pâte? Quand on trouve un supermarché. Enfin, quoi qu'elles sont. Si elles sont rondes. Mais ça n'existe pas des galettes comme ça. T'as la frangipane après dedans. Bah, tu mets une pâte dessous, la frangipane, une pâte dessus. De frangipane. Ah. Je suis bien sympa parce que regarde, pour te prouver que je suis de bonne foi, là, elle, pour le coup, voilà, bon bref. Oh, miséricorde, mais le plan de travail. Oh, bah, si, première ordure à partir au rayon recyclage, c'est celle-ci. Je sais pas pourquoi, dès qu'il est là, cet animal, parce que là, on change d'époque et de style. Bah oui, mais ça va. Oh, choc ou pas? J'ai deux, trois trucs. Oh, mais génial. Tu vas pouvoir regarder ton tableau. Alors, il y a un petit problème de raccord, là. Hein. Ça prêt araignée d'eau. Alors. Il n'y a absolument aucune logique là dans cette maison. Enfin, je serais tellement beau hein, avec un corps musclé comme ça. Comme ça en plus. Ah d'accord, ma grande. Pourquoi c'est toujours n'importe quoi, quoi. J'ai la touche du roi. Ah, oui. Recyclé. Mais j'adore. Ouais. Ouais. Non. Bah si. Ouais, à voir. Lève ta queue. La lève. Non mais je peux pas la fermer. Oh. Un peu. Je vais vraiment accueillir ma chasseuse d'appartement comme ça. C'est quand parce qu'ils avaient trois perruques et du coup, ben... Cache au folle. Ça te va bien, hein? Mais j'en peux plus, putain. C'est vrai qu'ils en avaient trois. J'ai envie d'avoir un summer body, enfin, voire même un toute l'année body. Et moi, demain, j'ai... Alors, du coup, ah oui, c'est les fameuses lunettes aussi ça d'Halloween. Oui, quand... c'est ça. Oh, d'accord, ma grande. Tu sais, vu que t'as trop d'argent, ben, tu pleures l'argent. Ah, d'accord. Je vais plutôt épouser un style un peu plus chic. Ah non, ça, c'était à moi de base. Et voilà. Et qui m'a foutu au bout du doigt. C'est un gros cara. Non, mais c'était vraiment à crever de rire, quoi. Bon, bah, c'est bien, il trouve tout ce dont il a besoin chez moi. En fait, le mien, il est cassé. Bah, le mien, oui, non, il est neuf. C'est vraiment, ça fait quoi 15 secondes qu'il est arrivé, je suis déjà crevé. Ah, vous savez, putain, mais le bordel qui me fout. Dans le verre. Le pied. Quoi. Oui, c'est moi, c'est Louis XIV. Non, mais c'est vrai que c'est plus décalé comme ça. Bah oui, oui. Puis le corps est quand même... Dans le pierre ou dans la mer, la galette des rois. On va aussi traoutre. Non, moi là-bas, je... Comme des trous, oui. Si l'on devait mourir, de mourir demain, qu'est-ce qu'on ferait de... Si l'on devait mourir... Moi, je t'aimerais. Un peu faux. Mais c'est pas vrai, je cuisine ici. De courgettes, hein, saveur métro. Un gratin de courgettes. Oh. Je t'ai déjà dit 50 fois d'arrêter de prendre mon plan de travail où je coupe mes légumes pour un... Mais tu peux t'asseoir sur le canapé, y a pas de souci. Mais vas-y. Mais des plans de travail ou quoi? Est-ce que tu sais sur quoi tu es assis au moins? Sur du marc. Non, du grès. La radioactivité. Ah bah écoute, Inch'Allah... Il est en train de lire toutes les idées qu'il a.
Parce qu'il veut qu'on fasse un signe. Ne dis pas tout, mais c'est quoi? De quoi? Bah, on devait déjà enregistrer c'est une un chanson titre. Un peu d'amour impossible. Ah, ça, je suis sûr que ça s'appelle le tunnel. Non, mais il a du sable, soi-disant, de la plage sur le front, mais. Polémique. Polé. Oh là là, ça fait tellement le mec de Versailles en slip. Hein, ça, c'est un point commun qu'on a, c'est qu'on est fan de toilet paper. Chaque année, tu m'offres ce magazine, je connaissais pas du tout, c'est toi qui m'as fait découvrir, je suis trop fan. Mais qu'est-ce que tu fais, dis donc? Regarde-moi. D'ailleurs, je dis une femme parfaite, mais à mes larmes, merci. Non, mais c'est pas vrai, il va pas me lâcher, il est encore en train de... Eh bien, parce que je t'ai dit que j'avais récupéré la couronne dans une... La couronne n'a rien à voir avec celle que j'ai faite. Non, mais moi, je suis très content qu'on m'ait prévenu. De... Bon, il faut que j'avoue. Je dois... Elle est picarde, mais picarde, ça veut... C'est qu'elle est de Picardie. Picardie. Mais absolument. Prends pas ces gens, tu sais que... Non, mais les gens, tu sais, il faudrait que toute la journée... Rôti, c'est pareil, ça va pas. Non, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est pas vrai. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Mon parquet, il va y avoir de l'eau. Tout le monde m'a dit... Mais n'importe quoi. Bon bah voilà, j'ai préparé ma petite table et puis ça ne soit pas. Est-ce que c'est bien clair? J'ai pas écouté. Oui, bah il va vraiment adorable. J'ai vraiment eu un très bon feeling avec cette dame parce qu'elle m'a très très... on va vous expliquer et tout. Ça. Donc voilà. Et voici la fameuse chasseuse d'appartement. Bonjour Catherine. Wow. Est-ce que vous avez vu un peu dans quelle tenue je vous ai les doigts pour les godasses? Mais ah. J'ai proposé de les enlever. Mais vous allez... Une petite surprise est cachée et débarque. Oh le bordel. Ton je vais la chasser de chez toi. Bah oui, les godasses. Pssst. Oh, tu nous as traumatisé la chasseuse d'appartement. Elle est retournée... Mais oui. Ça c'est étonnant. Allez, ce soir on fête pour la 50e fois. T'es trop chic. Oh, on me dit, tu ne sais jamais t'arrêter. Non, mais alors toi, tu me fais tellement rire, on dirait qu'elle dit donc. Hein. Ah bah, tu m'étonnes, avec moi, t'as pas une vie de merde. Mais je suis navré, je n'ai pour l'instant pas envie d'être en couple avec toi. Tu sais que c'est grave. Hâte qu'elle revienne. C'est quoi ce gant pour Ave? C'est super chef, Jérôme. C'est le logo de quoi? Bah, TripAdvisor. Oui, c'est ça. C'est pas le nouveau, c'est le... Mais non, c'est toi qui as mis 603 avis. Bah, évidemment, c'est personnalisé, connard. Ah, la revoilà. La chasseuse, non pas de gibier, mais d'appartement. Ah non, pas de gibier. Ah bah non, hein. Je vous laisse... Ils sont en train de faire connaissance. Ah, mais c'était deux. Alors, il y en avait un à 410 000. Ah oui, ça va, c'est... Il va venir falloir prendre l'apéro, les amis. Non, c'est... Ça donne mal à la tête, coupe ta merde. Alors, le Père Noël est passé chez moi. Il faut un cadeau pour Gélène, il a été super sage. Mais c'est adorable. Et le papa, non. Catherine, j'ai l'impression, point de vue que j'ai là. Qu'est-ce qu'il fait? Pas enfin, quand même. Je suis une femme sérieuse. Bah oui. Mais elle me tue, elle parle au micro. Oh, il va nous choquer, ma chasseuse d'appartement. C'est toi qui m'as dit de choisir celle-là. Parce que je te dis, j'ai commandé au Père Noël un cadeau pour toi. Mais il faut... T'as, mais t'es lourd. Mais pourquoi un cadeau? C'est quand même dingue. Les coupes sont servies. Oui, mais j'ai presque envie de verser ma petite larmichette. En parler, tu vas nous raconter. On se tutoie, on se vous voit, moi je sais plus. C'est à part toi qui l'as visité vide. Alors, c'est vrai? Pardon à ta... D'ailleurs, à... Qui a eu ce coup de cœur et qui a choisi cette table. Oui, pardon, sur ton réseau. Bam. Évidemment. Bon bah Catherine, vous avez toujours eu bon goût. Ah, que là-bas. Alors par contre, je suis désolée, j'ai un chien à la maison. Qui... Vraiment désolée, j'ai un chien un peu terrible. Ah. Il est... Ah. Mais... Invité Théo Lavabo. Désolé, du coup, c'est un peu moins de cachet vu qu'elle plaide. Une chienne que j'ai pas encore stérilisée. Donc, je suis vraiment... Donc, Catherine, désolé, on va faire abstraction de la chienne non stérilisée. C'est déjà... Il va où, lui? Il y a deux évidences pour moi. C'était avec un canapé d'angle. Ah bah, pourtant, là et là. Et puis, ça fait mal, il faut que tu mettes un tapis. Ça, elle est très pénible à entretenir et j'aime tellement mon parquet que ça m'embête de le cacher. Ouais. Il est... faire une balançoire. Ça m'embête de voir Catherine comme ça, les pieds et poings liés. Elle va bien con. Voilà, Catherine. Allez, plus vite que ça. Je savais qu'ici... Allez, moule. Non, c'est pas vrai, c'est n'importe quoi. Non, ça... Donc voilà, Catherine, vous découvrez vraiment, c'est vrai. Cette pièce avec les moulures... Hein, il en a marre.
Ouais, non, les lustres sont incroyables. Je savais depuis le début, tout de suite su que je voulais évidemment ces lustres, cette table basse, j'adore le canapé. Enfin, tout. Je trouve le plus beau, tu sais ce que c'est mon look. Je l'ai choisi avec mon cœur. Mais ça, c'est vrai que chasseuse d'appartement, dis donc, j'aurais dû faire ça. Hein. Une délicate attention. Quelle casquette. Wow, qu'est-ce que c'est? Un saladier? C'est design et chic. Catherine, vous pensez que c'est quoi les puces? Allez, hâte Catherine. Oh mon dieu, Catherine. Oh mon dieu, Catherine. Ça va tellement bien avec tes... Un cadeau. Merci beaucoup, mais voilà. Il n'y a pas de photo. Ah, carrément, hein, mais un truc en cristal, mais vraiment, je vais tomber, je vais m'énerver. Merci infiniment, Catherine. Voici donc une jolie coupe de champagne. Bonne année à tous. Bonne année. Ravi d'être unis, c'est un peu le choc. Chipolata. Voilà, santé à tous encore une fois. Qu'est-ce qu'elle m'a encore amené? Mais c'est pas vrai, ça ne s'arrête jamais. Il faut fêter un matin. Oh, Catherine, vous avez vidé votre cave. Vous, vous allez nous expliquer comment tous ces trépas recommandés. Je vous donnerai son adresse mail, je crois que mon deuxième cadeau. Allez. Je suis ravi. Oh là là, jolie bouteille de champagne. Moi, je ne le croyais pas que c'était lui qui avait fait la galette, c'est pour ça. En pâte. Non, pas du tout. Donc ça se voit que c'est moi qui l'ai faite. Oui, c'est bouteille. Hein. C'est moi qui l'ai faite, j'ai mis une fève dedans. Et j'ai beaucoup de chance, ça. Je vais être la reine ce soir. Ah. Et la coupe, vous voyez, il faudra choisir son roi. Ah ben là, le choix sera très difficile. Ça va être très... Parce que tout nouveau, tout beau. Catherine, au moins, elle, tu vois, elle me remet poudre de frangipane. Un rouleau pâtissier. Non mais je sais faire les pâtes, j'avais déjà fait bien parce que je me suis donné. Ça m'a pris 3 heures. Enfin, la petite fête avec un emporte-pièce. Franchement, c'est adorable. Il trinque quoi, lui? Pourquoi comment ça, la naïveté? Pourquoi vous remettez des gens qui sont à cause de ce. Catherine, rassurez-moi, vous ne chassez rien d'autre que des appartements. Paul. J'en suis absolument. Une personne malveillante risquerait de s'en prendre. Les qui me regardent sont positives. Oui. Mais c'est l'envers du décor de la médiatique. C'est moi qui ai créé. Qu'est-ce qui va se passer d'abord? Il explose pas, ça c'est sûr. Vous donnez à Catherine. À disposition pour vous, Catherine. Du Catherine. Ah non, mais. Propre frigo. Je veux voir. Voilà. Et Catherine. Pourquoi mon écharpe elle est dans le. Parce qu'elles sont pas jolies à voir. Hein. Catherine, vous me mettez des miettes partout, Katoche. Je rêve. Je le mets au fond. Je rêve. Qu'est-ce que c'est ça? Catherine, je ne sens vraiment plus. Je l'ai pas vu. Alors non, hein, il est en train de lui montrer le portrait que je veux de moi. Je veux. C'est pas ridicule ça, c'est très chic. Tu sais que c'est les cousins qu'on a acheté ensemble. Alors, Catherine, je sais pas si c'est vrai ou faux parce que depuis. Je veux voir jusqu'où vous alliez pour Madame Picard. Ah oui. Pas il faut que j'arrose ma viande. Oui, je mets un fond. T'en as cube. Mais t'en as ou pas? Ah oui. Oui, oui. Alors, Catherine est en train de nous faire des confessions. Elle est un peu picolée. Elle est en couple avec le même monsieur. Oui. L'amour de ma vie. Encore moins, j'imagine, de sauterie. Ah bah encore moins. La scie sauteuse. Et des fois, la scie philippe. C'est dingue. Aussi amoureuse de mon mari. Oui. Le premier jour. Depuis 30 ans. Il y a eu des moments où vous avez déjà eu un partenariat. Ça, c'est sûr. Histoire très originale, on va la raconter. Catherine, ce qui est très marrant, c'est que quand on s'est rencontrés, racontez-nous où, parce qu'avant que vous soyez ma chasseuse d'appartement. On a même collaboré. Alors, moi, je me souviens de vous. Une date. Et vous devez trouver ce qu'on a fait ensemble. Ah, alors la date, c'était quoi? 17. Mars, c'est très vite, hein, vous avez trouvé, hein, en fait. Hein. Et en fait, j'étais à votre salon du livre. Et, y avait et c'est vous qui m'avez accueilli. Vous m'avez bloqué tout mon stand. D'attente pour venir dédicacer. Bloqué tout l'accès aux autres. Superstar qui déclenchait des émeutes. Mais tu m'as raconté, je trouve ça trop mignon. Non, mais c'est vrai. C'était dans quel pays où... Et tout. J'adore ces histoires. Et franchement, c'était dingue sur le stand. Vous savez que vous êtes... J'en ai marre de ce gosse, excusez-moi. Ouais, De très beaux auteurs. Je me dis oui, mais elle les a pas eus. Non, mais on a eu. Théo Lavabo. Moi, je pense que. Notons. Non, mais pas autant. Mes puces qui, depuis toutes ces années, me suivent. Alors, elles sont moins. Et merci à toutes les puces qui me suivent et qui m'ont soutenu, qui ont fait de mes livres des succès. Je voulais vous remercier, les puces, parce que ce que nous raconte Catherine. Commerciaux, les hurlements, les gens qui tombaient dans les pommes. Moi, à ce moment-là, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait pour moi, Catherine. Je vous ai accueilli sur mon stand. Je mets Catherine à contribution. Voilà, hop là. Bonjour, attention, Catherine, ne vous brûlez. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est très bien mis. Tu vas tout me faire tomber. Mais là, au moins, tu peux tirer. Catherine, racontez-nous notre histoire. La meilleure à Paris, dans ton domaine. Moi, on ne vous paye pas tant que le bien n'est pas trouvé. On va dire, parce qu'on parle de ça. Hein. On avait signé un premier mandat. Je crois que le mandat, ça dure quoi, hein?
ou non le reprolonger. J'ai tendance à me dire, oh là là, mais ça doit coûter tellement cher. Le métier de chasseuse d'appartement, c'est un métier, mais qui veulent acheter. Ou habitué, voilà. C'est pour tout le monde. Pour tout le monde. Des clients qui recherchaient. Donc mon métier, c'est d'accompagner vraiment, de répondre à leurs recherches, bien sûr, dans le respect. Je vous mets l'adresse mail de Catherine. Pour moi, c'est un match avec une chasseuse. Elle va pouvoir s'adapter à tout. Un chasseur ou une chasseuse d'appartement, c'est vraiment top. Surtout que Catherine, je ne sais plus quand, deuxième meilleure, bien classée cette année encore. On saura ça très prochainement. Paris et région parisienne, ils peuvent également te contacter pour d'autres régions pour que tu puisses prendre soin de la recherche. T'as rien d'écrire pour lui demander si elle est avec de bonnes mains. Voilà, parce que... Alors moi, quand je vous ai contacté, Catherine, je vous ai dit, qu'est-ce que j'ai dit d'autre que je voulais rester. Et à Paris, un dernier étage sans voisin. Recherche, Jérém. C'est ça, ouais. Il y avait ce besoin et on l'a trouvé. On l'a trouvé en passant des courts tennis de Roland-Garros. Exactement. Une terrasse de malade et ça a donné sur les coins. Ah, non, mais truc de dingue. Ouais. Il était très très beau cet appart. Quoi, en moins de 3 mois? En 2 mois. De dernier étage en un seul et même plateau. Absolument. On est à une mezzanine où il y avait les chambres. Là, c'est la terrasse. Mais ici, on a. En plus, le pompon, c'était quand même le rooftop. Une terrasse. Moi, je vous ai dit, alors franchement, je m'en fous complètement d'avoir une terrasse. Le summum avec la vue Tour Eiffel. Non, je me rends pas compte, hein, mais. C'est un bien unique, c'est une pépite. J'avais vraiment trouvé quelque chose de dingue qui, en plus, n'était pas encore sur le marché. Il n'attendait que vous. Et c'est ça aussi mon métier, c'est d'accompagner aussi sur l'achat, acheter un appartement. Vous voyez cette manchette, quand j'ai enlevé ma manchette, vous voyez, de mon verre. Et puis moi, ce que j'ai vraiment aimé avec vous, Catherine, c'est que je m'y connais pas dans les diagnostics de termites, enfin, non mais tout ça, d'assemblée générale, de copropriété, enfin, mais moi, humaine, vous êtes gentille, et c'est pas comme certains agents immobiliers, par exemple, vous leur écrivez, ils répondent. À 1h du mat, une fois. Effectivement, quelque chose qu'on a vécu ensemble, une expérience de vie, parce que pour moi, c'est un événement que, encore une fois, je vous remets les puces, son petit contact mail. Il n'y aurait plus que ça à présent, parce que c'est aussi du... Enfin, ça, c'était top. Hein. Voilà, pour que vous achetiez le meilleur bien. Qu'est-ce qu'il fait, là, assis sur mon plan de travail avec ses chaussettes Rainbow? Je sais pas pourquoi il veut être assis sur mon plan de travail à chaque fois. Non, mais... C'est à mon mur avec son fond de teint et son gel. Oh non. Ce verre luisant collant.